Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la map Logging Lumber Valley. Donc on est sur l'ancien PC, malheureusement j'ai beaucoup trop de problèmes de capture avec Fraps, donc sur le nouveau, avec Windows 10, je sais pas. Je suis toujours emmerdé, c'est compliqué. Donc résultat des courses, je vais continuer pour l'instant la série, en tout cas cette série-là et peut-être les autres séries sur ce PC. Et puis on verra par la suite, parce que là c'est vrai que ça devient vraiment trop compliqué. Pour une chaîne qui veut faire pas mal de farming, c'est le seul jeu qui me pose des problèmes, parce que Dirt, que ce soit Euro Truck Simulator 2, il n'y a absolument aucun souci, ça capture nickel, donc les autres jeux seront capturés sur le nouveau. Et puis pour l'instant, à moins de trouver une solution ou une mise à jour de Fraps pour Windows 10, puisqu'a priori c'est le cas, c'est en cours, maintenant il n'y a pas forcément trop de dates, je vais dire, pour avoir tout ça. Donc pour l'instant on va continuer sur l'ancien PC qui fonctionne ma foi très bien aussi, hein. Et c'est vrai que ça sera un petit peu moins, peut-être un petit peu moins bonne qualité, même si franchement je n'ai pas trouvé une différence majeure, peut-être un peu plus fin du fait de la résolution. Mais voilà, donc on est parti, on va essayer de charger le bois qu'on avait coupé ensemble la dernière fois. On emmène tout simplement le petit télescopique New Holland et puis on va tâcher d'essayer de charger donc notre MAN TGS 8 roues motrices là-haut. Donc j'ai fait le test, normalement on n'arrivera pas à monter l'ensemble, on va monter directement et tout simplement avec le New Holland, tout bête, parce que j'avais essayé, pour ceux qui ont regardé la vidéo, une ancienne vidéo de du 360 Sapin où c'était un mini-mog qui traînait cette remorque, et franchement la remorque a priori trop lourde pour tout le monde, hein. Pour le tracteur, pour le mini-mog, j'essaye peut-être avec un tracteur un peu plus puissant, un peu plus costaud, mais bon, écoutez, on va pas se casser la tête. On est derrière les arbres, on va essayer de voir quelque chose. On peut se mettre aussi à l'intérieur, il est pas mal celui-ci à l'intérieur. Hein. C'est peut-être un peu beaucoup de bruit, hein. J'espère que vous entendrez bien ma voix. Mais enfin, ça fait voir autre chose, ça fait voir un autre tracteur, en plus un tracteur bois, hein, vous voyez, avec les arceaux de sécurité pour protéger en cas de retournement. Allez, on va... Normalement on arrive là, ouais, c'est en face du petit lac qu'il faut monter à gauche. On va se garer. On va descendre, hop, donc ça se passe avec la manette. Est-ce qu'il y avait Unlock Load? Voilà. Voilà, ça a l'air d'être bon. Hop, on va monter à l'intérieur, on va soulever, on va glisser, on va mettre le gyro puisque celui-ci en a un. Et on va tâcher d'aller charger quelques grumes de bois. Hein. Voilà, c'est la continuité tout bêtement de notre série sur FDR Lumber Logging Valley. Écoutez, le premier épisode a été plutôt bien accueilli et j'en suis très content, merci à vous. On continue tout doucement cette activité bois. Alors je vais voir au niveau de la série La Belgique s'il faut que je revienne également sur l'ancien PC. Si c'est le cas, on reviendra tout bêtement sur l'ancien PC, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je sais que ça fonctionnait très bien jusqu'à présent, ça fait un an que je vous propose des vidéos avec celui-ci, personne ne s'est jamais plaint de la qualité des vidéos. Donc résultat des courses, il faut y revenir dessus, et on reviendra dessus, pas de problème. Et puis pour les autres séries, que ce soit sur Dirt Rally, que ce soit sur TS2, on capturera avec le nouveau, hein, même si pour moi perso, quand je joue moi perso, il n'y a absolument aucun souci. Le problème c'est Fraps, hein, lorsque je veux capturer avec Fraps, alors soit ça me fait planter le jeu, soit ça me fait laguer, soit il y a des coupures reprises, c'est un truc pas possible, vu que je veux vous proposer quelque chose d'agréable à regarder. Écoutez, je fais pas avec l'autre, hein, tout bêtement. Donc Windows 10 bien, mais pour l'instant, pour les captures vidéo avec Fraps, un peu compliqué. J'ai pu voir également qu'il y avait un moyen de capturer avec justement Windows 10. Hein, il y a un logiciel à l'intérieur qui permettrait de capturer. Il faut que je vois, parce qu'il paraît que c'est qu'en mode fenêtré ou je sais pas trop quoi, résultat des courses. Je sens qu'on va se faire chier. Donc résultat, on va pour l'instant continuer comme ça. Allez, on arrive sur notre lieu d'exploitation. Normalement le camion est là, ouais, impeccable. Alors ce qu'on va faire, donc on en est toujours au même point, on va peut-être les couper un petit peu parce que sinon ça va être quand même très compliqué. J'ai toujours, hop, ma tronçonneuse bien évidemment, on va juste élaguer celui-ci. Voilà, hop. Alors qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé, ouais, je suis coincé, j'ai pas réussi à faire de l'équilibre, je suis même à travers le petit bout de bois, hop, on remonte. Voilà, le câble. Oh je vais pas y arriver, allez. Comme ça, ça fait pareil. Ça fait presque pareil. Voilà. Alors là, on a l'air pas mal. Il y en a encore un petit bout là. Et je comprends pas sur quoi je suis coincé. Mais bon, enfin bref, c'est pas très grave.
Donc je sais pas si je vous l'ai demandé, mais j'espère que vous allez bien. Et on est coincé là. Allez, hop, on coupe. On va les rétrécir, on va charger dans un premier temps. Voilà, ça fera l'objectif de cette première vidéo. Celui-ci, c'est ok. On va le couper là, pareil, hop. Donc un peu de chance, j'arrive à voir, hop, le disque bleu, toujours pareil. Donc j'avais essayé d'appliquer le conseil de quelqu'un qui m'a dit qu'il faut bien couper à plat pour que les arbres tombent. Bon, écoutez, ça tombe pas forcément mieux, je vais dire à plat, que couper en biais. Hein. Bon, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, ils sont pas tous tombés. Allez, là, on coupe, pareil. Attention aux pieds. Reculons, voilà, allez, ça c'est bon, c'est ok. On va s'occuper de celui-ci. Allez, là, on est pas mal. Voilà, ça, ça a l'air cool. On va même vraiment juste les têter un petit peu, parce que celui-ci, je sens qu'il va me faire chier. Et avec un peu de chance, ce petit bout-là va disparaître. Alors là, c'est toujours un petit peu bizarre. Voilà, c'est ce que je disais. Ça, c'est impeccable. Là, on est OK. Là, c'est coupé. Là, c'est coupé. Il y a celui-ci à mettre un petit coup. On avancera le camion, et puis on va tâcher de venir charger tout ça. Donc sur ce gros man qui fait bien penser à du Spinty, hein, vous avez été nombreux également à acquiescer ce que j'avais indiqué. On aurait dit vraiment un camion Spinty. Allez, si tu veux bien me donner le... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose. Il bouge tout seul. Pff, voilà, encore un bug là avec un arbre, on ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est encore pas réellement au point, hein, c'est l'histoire d'arbre. Je sais pas si ça va couper, j'ai vu le disque, mais bon, je suis pas certain. Bon, eh ben on va pas y arriver, on va se mettre de l'autre côté. Là, ça devrait le faire, on va y arriver, hein, les amis, c'est pas grave, un petit fail, vous avez l'habitude. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à m'en demander, hein, vous êtes triste quand il n'y a pas de fail sur les vidéos Farming Savoyard. Celui-ci, ça va être un peu compliqué pour aller le couper, on verra après. Alors, on va essayer d'avancer, on va essayer de se placer. Alors là c'est pareil, il doit y avoir un mur invisible, j'ai déjà eu le cas. Je sais pas si c'est la remorque, voilà, il y a un truc. Là, il y a un truc, la remorque elle se coince. Moi je suis coincé avec. Allez, ce serait bien qu'on se décoince. Voilà, bah c'est... Là on va plus arriver à remettre la remorque, ça c'est bien, c'est la bonne idée d'année. Eh ben quand ça veut pas faire, hein, c'est simple, ça fait pas. Alors, est-ce qu'on peut soulever un peu la remorque avec celui-ci? Ça m'étonnerait. Allez mon petit. Ah c'est vraiment, voilà, c'est vraiment... Puis c'est toujours en vidéo que ça se passe, hein. Vous avez toujours la chance d'avoir en vidéo les petits problèmes. Allez, avec un peu de chance, on va le laisser comme ça. Où est-ce que je suis? Là-bas, allez, cours vite. Cours vite, Forest. Dans ton gros camion, ça a l'air de tenir. Ah, c'est en plus les missions d'épanage, enfin il y a plein de trucs, hein, c'est la classe. Voilà, allez. Bon, maintenant on va essayer de retirer celui-ci. De pousser la remorque, tant qu'à faire. Parce que là, il doit y avoir un truc. C'est pas possible. Bon, je suis dans l'arbre là, vous me direz, mais... Là, qu'est-ce que ça dit? On peut sortir, on peut pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va se... Oui, il y a un truc avec une pince, je sais pas quoi. Camion, hein, tranquille, on abîme tout le matos. Là, allez, ça a l'air d'être pas mal, là on va s'en sortir. On va le laisser là, on y retourne. J'allais dire, est-ce que j'ai le... Le speed player, et c'est vrai que c'est bien pratique le speed player parfois. Allez, on y va, on va essayer de charger un peu de bois. Enfin, en tout cas, on va tenter parce que... Pour l'instant, vu le nombre de fails que je me paye, il n'est pas exclu qu'on s'en tape encore des autres. Allez, hop. Voilà. C'est pas trop lourd, c'est ça qui va être pas mal. Par contre, ça va être un peu chiant du sens, dans le sens où le côté lourd est de ce côté-là, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Comment on est là? Ça va le faire, ça va pas le faire. Ça a l'air d'être l'avoir fait. Ok, allez, en voilà un, on continue, c'est parti, on prend le rythme, c'est parti. Avec mon clavier souris, comme toujours.
Oula, commence à être un peu lourd celui-là. Faire gaffe. Essayez de pas tout bainer. On va essayer de le mettre un peu vers l'avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu du questionnaire, enfin de la question. Oulala, 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 qu'est-ce qui se passe? Regardez le boulot. Ah mais putain, je suis accroché au truc. Donc bah, a priori ce sera la Peugeot 205 hein, que vous aurez pour la suite de mes aventures sur Dirt Rally. Alors c'est pas un cadeau, franchement je me tâtais à la prendre, mais c'est vraiment pas un cadeau parce qu'elle est très 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 compliquée à prendre en main cette Peugeot 205. Mais bon, écoutez, j'ai dit que vous décidiez, vous avez décidé, je tiens ma parole, on va tâcher de rouler avec la 205, mais ça va être compliqué pour moi, je vous explique pas. Allez, avec un peu de chance on va arriver parce que celui-ci est vraiment lourd. Là, on a l'air pas mal, je vais dire. Allez, vide mon gros. C'est bon, ça continue, impeccable. On est sur du boulot aujourd'hui, hein, vous pouvez constater, on est au boulot et on récolte du boulot. Donc ça sera la Peugeot 205, hein. Ça, elle a fait quasiment l'unanimité de vos votes, hein. Et quelques fois pour la Audi, quelques fois pour la Ford, quelques fois pour la métro, très peu, mais bah, écoutez, voilà, c'est comme ça, vous avez choisi, on partira donc avec la 205, alors j'espère que j'arrive à passer dessus, ouais, impeccable. Donc ça c'est vraiment cure-dent, là, ça ne sert pas à grand chose ça, mais bon écoutez, on prend quand même, hein, on va tout ramasser. Donc là, on a l'air plutôt pas trop mal, on a bien visé. Donc ça, prochainement, la semaine prochaine, je pense, parce que le temps que je travaille un petit peu la conduite de la 205, parce que c'est vraiment pas la conduite de la Mini, je vous explique pas. Au niveau puissance, etc., ça a un rapport poids-puissance extraordinaire. C'est d'une nervosité absolument énorme. Et puis après, c'est vrai que bah, c'est quand même plus de la Mini, donc résultat des courses. Il y a un petit peu de boulot quand même pour le... Allez, tu l'as mordu là, ouais, ça a l'air d'être bon. Alors est-ce qu'on va par contre arriver à sortir? Ouais. Par contre, j'aimerais bien quand même te prendre un peu mieux. Ouais, et bah si on arrive à le charger celui-ci comme ça, on aura été chanceux, je pense. Donc pareil au niveau de la nouvelle. Ouais, ça c'est un coup à tout foutre par terre. Allez, repose-toi. Arrête tout. Voilà, allez. On va essayer de te reprendre comme il faut. Voilà. Il n'y a rien de mieux que de se reprendre à deux fois. Que de faire des conneries et après de se coincer le bout de bois là-bas en travers dans les ridelles ou dans les pics. Parce que si c'est pour aller se faire chier après pour l'enlever, eh ben non merci. Je vous laisse le choix à vous de le faire si vous le souhaitez. Non, non. Allez. Hop. Et le petit coup de lichette pour charger là-bas au fond. Et eh ben écoutez, ça se passe plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Bon bah ça ressemblera un petit peu aussi à la dernière vidéo que vous aviez vue sur Rockwood, mais bon on est obligé de faire comme ça, hein. Il y a le bois non plus, il n'y a pas 50 entre guillemets activités à faire, hein. Voilà, c'est pareil, est-ce qu'on va arriver à le choper? Alors ou par contre celui-ci, il y a de quoi faire au niveau de la tronçonneuse. C'est bon, c'est tout parti, non? Ah mais ça c'est ici. Merde, hop, j'arrive pas à sauter. Où est-ce que ça se passe? Non, c'est bien là. Voilà. Petit bug là. Allez, on remonte là-dedans. Essayez de charger. C'est bien qu'il me lâche ce con là. Voilà, merci. Merci monsieur. Oh, putain mais c'est un tout petit bout ça en fait. Reste là. Reviens ici. J'en ai... Non, c'est pas à toi le petit blanc que je parlais. C'était à ton copain là, le petit marron. Voilà. Allez, on va essayer de charger. Bah, ça devrait pas être trop compliqué celui-ci à charger. Par contre, c'est vrai qu'il est un peu... Il est un peu petit, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Allez, reste là-bas avec tes cousins. Ça, c'est tip top. On va continuer. On va prendre l'autre bout. Donc c'est vrai que ben voilà, avec Windows 7, il n'y a absolument aucun souci de capture, a priori. Hein, c'est fluide, c'est fixe, il n'y a pas de problème. Et autant avec Windows 10, ben voilà. De toute façon, pour l'instant, Fraps n'est pas prévu pour sur le principe Windows 10. Donc c'est peut-être là que le bas blesse, hein, quand on veut capturer, je sais pas. Certains, a priori, on dit que ça fonctionnait pour eux, mais bon. Hop là.
Moi, ça veut pas fonctionner et c'est bien dommage. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas fonctionner sur farming. Hein. Voilà, c'est vraiment sur farming que ça me fait planter le jeu. Hein. C'est simple. Arrête. Laisse-toi. Ça me fait tout simplement planter le jeu. Giant Engine 6.0.2 a cessé de fonctionner. Voilà, merci, ciao, bye bye. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, allez, là c'est tout bon. Eh bien écoutez, je crois qu'on est pas mal. On en a encore un petit bout là-bas. Ouais, si on essaie de passer par-dessus, là, si c'est possible. Ah, bien se coincer encore, ça c'est pareil, c'est la très bonne idée de l'année. Faut bien se mettre comme ça. Hein. Voilà, allez, hop. Et là c'est pareil, est-ce qu'on va se décoincer de ce bout de bois? Ça c'est un coup à tout faire planter. Ouais, on a l'air pas trop mal. Donc certains sont plus petits que d'autres. Hop, 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 impeccable. Donc vous avez pu voir la miniature de la vidéo, hein. J'ai fait du freestyle, et ben ça continue, vous pouvez le constater. Donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être un véhicule un peu plus gros, on va dire. Voilà. Mais je trouve que ça va très bien, moi, ces véhicules-là. On pourrait peut-être mettre une masse, d'ailleurs. Je sais plus s'il n'existe pas une masse, justement, pour mettre à l'arrière de ces véhicules télescopiques. Mais bon, j'ai pas eu le temps de chercher, je vous avouerai. En plus, il était derrière une souche, ce con. Ouais, on va pas en prendre deux, de toute façon, rassure-toi. Juste à un. Alors, on va pas arriver à le choper là, qu'est-ce qui se passe? Pas tout à fait en face. Allez, on tente. Ouais, tenter le diable. Je sais pas si on peut appeler ça tenter le diable, mais voilà. C'est ce que j'allais dire, de toute façon ça va pas fonctionner. Voilà, allez, Justin, c'est bien. Tu chopes, tu pinces, tu lèves et tu tentes de repartir. Voilà, impeccable. Allez, c'est ça, c'est bon. On va pas le lever de trop. Voilà, ça évitera de nous foutre en l'air. On va faire le virage, tranquille. Voilà. Oh, je me mets pas en vue intérieure, mais franchement, il y aura de quoi avoir les jetons, je pense. Parce que franchement, là, il y a de la manœuvre. Ouais, un peu en travers, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Voilà, il suffit simplement de se mettre comme ça à la verticale. Je pense que c'est le plus simple, c'est le conseil que je peux vous donner si vous voulez choper du bois. Avec ce genre de pince là, vous mettez comme ça, vous arrivez, voilà, pas trop loin forcément, vous baissez, vous appuyez, et en théorie, ça sert bien votre bout de bois, et vous êtes tranquille pour manœuvrer, voilà, et puis après en général même... Ça pince un peu plus. Voilà. Quand vous êtes pas en hauteur, il n'y a absolument aucun souci. Après, c'est sûr, par rapport à la taille du bout de bois, bah forcément, parfois, ça fait un petit peu de freestyle, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est le principe. On est là, on s'amuse. Voilà, regardez, en plus, l'autre s'est replacé. Bah, écoutez, on commence à être pas mal, je vais dire. On va faire simple. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste celui-ci, il reste un petit bout là-bas. Écoutez, on va récupérer ces deux-là et puis on va commencer à faire une première descente. Hein. Voilà, comme ça vous n'aurez pas que vu non plus un chargement de bois. Dans l'idéal, il aurait fallu presque redescendre avec l'engin là, mais bon. On y va. Il y a ces deux-là, ouais, au pire il y a ces deux-là, mais c'est vrai que ça va être compliqué de venir les chercher. Allez, hop, toujours pareil, même principe, vous connaissez. Ouais, voilà, bah, c'est ce que j'allais dire. Ça a l'air bizarre, là, celui-là. Ouh, bah, j'ai cru qu'on allait se balancer le cure-dent à côté. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est de descendre celui-ci. Va pas forcément être très évident, là, cette affaire, mais bon. Est-ce que j'arrive à le tirer? J'ai l'air d'arriver à le tirer. Oup, op, 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 op. Coucher le matos. Alors la question c'est, est-ce qu'on va arriver à se relever? Eh ben je crois pas, hein. Je crois pas. Ouais, petit fail, regardez ça, si c'est pas beau, on a couché le matériel.
Bon, eh ben écoutez, on avait dit qu'on arrêtait plus ou moins de charger. On va faire demi-tour. Enfin, en tout cas, on va tenter de faire demi-tour. Là, c'est pas... Ouais, mais celui-là, il a un petit problème quand même parce que... On est toujours emmerdé, il y a des murs invisibles partout avec cet engin-là. Alors, heureusement qu'il y a eu une roue motrice parce que sinon, je crois que... Alors, on va essayer de venir là pour faire demi-tour. Je ne sais pas si on va arriver à faire demi-tour parce que c'est bien beau de monter et si on peut pas repartir. Allez, un peu... Oh bah voilà, c'est beau ça. Dans la manœuvre en plus j'arrive hop à remettre d'aplomb mon télescope. Ce qu'on va même faire, c'est dans un premier temps, hop, essayer de le couper. Ouais, est-ce qu'on va arriver à le couper là puisqu'il était en mouvement? Ouais, ça c'était sûr. Pas toujours évident de trouver ce disque là de couper. Oh, oh, où ça se passe? Bon écoutez, on va pas se faire chier, j'ai pas envie. Allez, on descend, enfin en tout cas on va tenter de descendre et puis on va voir ce que ça va donner l'intérieur, pourquoi pas. Alors, allez, on va descendre tranquillement. C'est vrai que celui-ci aura pas de... Non, aura pas de... de moyen de vider automatiquement. Il faudra le revider nous-mêmes. Hein. Donc ça c'est vrai que c'est un peu chiant par contre. Quand ça vide tout seul, hop, pop l'arbre. Le caillou. T'as vu, il pousse. Hein. Ça pousse beaucoup. Oh, bah, 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 bah. Et j'étais à fond sur le frein. Hein. Eh ben je crois que qu'on est bien. Je crois qu'on est pas mal. J'étais à fond sur le frein et ben, je crois que je viens de me planter. Et c'est-à-dire qu'avant de... Ah, la remorque va y rester là, mais... Je dégringole. Oh. Bon, alors là, celle-là, les amis, je pense que... Hein, heureusement que j'ai un véhicule comme celui-ci parce que il y a beaucoup d'inertie, j'avais pas refait la descente, enfin j'avais pas fait de descente avec, hein, c'est simple. Et puis là je pense qu'on va jamais arriver à... Ouais, on va à mon avis jamais arriver à reprendre la remorque. On va essayer juste de venir avec ça, mais je suis pas sûr qu'on arrive à reprendre la remorque. Ouais, et puis il y a du bois, regardez, le bois qui vrille là, on sait pas trop comment, etc. Gros épisode les amis, hein. On a couché une fois le New Holland, on a failli mettre dans le ravin, et on a mis quasiment dans le ravin le Man. Bah écoutez, je dis moi, chapeau bas et bravo Farming Savoyard, hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est en dessous de la vidéo, vous n'hésitez pas à laisser votre impression, parce que là franchement il y a de quoi faire. Mais là c'est vrai que ça descend à fond. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que j'arriverai à passer par ici et pousser la remorque? Ouais, je crois que ça va être impossible. Franchement, si j'arrive à me dépanner là comme un grand champion, il y a moitié de... Ah, c'est pas si mal que ça, j'ai envie de dire. On arrive à peu près à pousser. Par contre il s'est coincé là, c'est la meilleure de l'année encore ça. Oup, op, 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 op. Et tout sur le ravin, hein, franchement. Chaud. Et là c'est très chaud, on essaie de baisser ça. Il faut pas que je pousse au cul là, parce que sinon c'est sûr que je vais me faire niquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après? On va déjà tourner là, on va reprendre le Man, on va lui faire demi-tour à celui-là. Voilà, ça va être impossible. Ça va être impossible parce qu'elle est vraiment trop dans le coin là. Oh, le boulot là, impeccable. Franchement, il y a de quoi faire. Champion. Ah non, ça va être... C'est dommage parce qu'on était bien parti, enfin plus ou moins bien parti. Hein. Attendez voir, est-ce qu'on peut faire comme ça? Je pensais
Et ce que je voulais faire, je voulais essayer d'allonger le bras. Essayer de piquer dessus. Tirer. C'est pas l'armoire qui est, c'est pas l'armoire qui vient, c'est l'engin. C'est l'engin. Je crois que on est grillé. Là, à mon avis, l'armoire, d'ailleurs, l'armoire s'en va. Regardez ça, remorque qui s'en va en direct. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Voilà, je voulais vous montrer. Bon bah écoutez les amis, on va se débrouiller. Oh, regardez, c'est beau. Ça partout. Regardez ça. Je reste, hein, je filme pour vraiment vous montrer. On a le bois qui va se casser la gueule. Regardez ça. Hop, on a le bois qui est en train de partir. On va juste pas se mettre en dessous trop. On a l'armoire qui est complètement à la verticale là. Ouais. Et bah écoutez les amis, c'était le deuxième épisode de la série. Ça sent le sapin. Et là, ça sent la mouise, hein, on va dire même. Parce que on a mis le matériel dans un état pas possible. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Ça fera plaisir. Le petit pouce bleu pour la cascade. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.